Et salut, on se retrouve pour une vidéo de Diamond Painting cette fois. Donc c'est comment je prépare mes toiles. Donc là on est encore sur une toile qui vient du site Joom. Du coup, n'hésitez pas à me mettre hein, dans les commentaires si vous aimez cette vidéo ou pas. Hein, si vous vous en fichez un peu de voir comment moi je prépare ma toile. Donc voilà, hein, j'attends vos avis dans les commentaires. Et je le dis en début de vidéo, comme ça j'espère avoir un maximum d'avis, parce que je sais que vous regardez pas les vidéos jusqu'au bout quand je fais mon blabla habituel. Donc ce serait chouette. Donc là on est sur une toile ronde de Soukine. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 19 couleurs. Donc cette vidéo s'adresse surtout, hein, je pense, aux personnes qui n'ont pas de boîtes de rangement, qui sont aussi débutantes que moi et qui viennent de commencer le DP et qui ne savent pas trop quoi acheter. Et donc je vais commencer ici par prédécouper la toile. Donc je la découpe pas complètement. Donc pour ça j'ai besoin de mon équerre et d'un exacto. Donc il va falloir y aller assez légèrement. Donc du coup je vous remontre hein, pour ceux qui ne connaissent pas la toile, je l'avais montré dans l'unboxing, donc il s'agit de Soukine, un Pokémon légendaire du Pokémon Crystal. Et donc, je regarde un peu ici. Ah là là. Alors, c'est beaucoup de E, de E. Tiens, oui, le F, c'est un clair, donc ça va. Donc ouais, ça va être une grosse zone, hein, on voit. Il n'y a pas de couleur de pla... Il n'y a pas de coulure, donc ça, c'est chouette. Donc voilà, hein. Et du coup, je vais vous montrer là sur la petite image. Enfin, c'est censé donner ça. Donc j'espère que ce sera le cas. Donc ici, je vois que à travers, il y a de la. Enfin, il y a un plastique. Donc voilà. Je viens faire glisser mon équerre. Plus ou moins ici. Ce sera très bien. Donc, et je viens faire un. Viens faire ici. Du coup, maintenant que je viens de passer mon coup de scalpel, hein, d'exacto, je sais pas comment vous appelez ça. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui appellent ça un scalpel. Je viens voir si. Voilà, c'est très bien. Donc, ici, elle est prédécoupée. Donc, ça fait une bande d'environ. On va mesurer. Ça fait une bande de 7 cm. Donc 7 cm, c'est pas mal. Donc ici, l'autre toile que j'avais faite, c'était une toile carrée. J'avais bien aimé. Donc maintenant que j'ai la ligne ici, je viens avec mon équerre. Vous pouvez le faire avec une équerre plus petite. Mais pour faire cette bande-ci, je vous conseille de faire une. Je vous conseille de faire ça avec une latte. Hein. Moi, j'ai une grande équerre, donc ça passe. Donc là, je viens faire des carrés qui me semblent faisables, hein, plus ou moins 1 heure. D'ailleurs, si vous voulez voir la réalisation de cette toile, je vous invite à venir sur la chaîne Twitch hein, tous les jeudis, donc normalement le lendemain de cette vidéo. Voilà, juste là j'ai un plus grand carré. Donc là, voilà, j'ai la première base. Donc je viens réappuyer hein, pour éviter. Donc j'ai la première ligne de fait. Donc je laisse ça comme ça. Jusqu'à temps que ma première ligne soit faite. Parce que à force de la manipuler. Les coins vont commencer à se relever là sur les côtés, donc c'est assez embêtant quand ça arrive. Donc je vous conseille de. Là, je vous conseille de. Hop, 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 je vais y arriver. De faire juste une ligne à découper. Après, je ferai. Bon, pas tout de suite, quand cette toile sera finie, donc je suppose que ça va me prendre. La toile Zelda m'avait pris 1 mois, donc celle-là va sûrement me prendre 1 mois aussi. Donc, je ferai une vidéo où j'ai un collant transparent dessus. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je ne ferai pas du prédécoupage comme ici. Parce que, voilà. Je suis désolée, hein, je suis en train de plier la feuille. Voilà. Et donc, si vous avez regardé ma vidéo précédente sur le diamond painting, vous avez vu qu'il me manquait des perles carrées. D'ailleurs, je vous ai montré comment faire des perles noires assez facilement. Donc,
Ici, j'ai dit qu'on en avait 19, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 19 couleurs. Donc je viens avec un bic. Donc je vais prendre mon bic ici. Mon bic bleu, vous le connaissez, hein, c'est le bic que j'utilise en live. Et donc ici, c'est mon plateau de travail de Diamond Painting. Donc sur ce plateau, j'ai mon bout de colle un peu dégueu. Je l'avais perdu la dernière fois. Donc j'ai mon X-Acto pour venir couper. Il me sert aussi à venir retirer les perles avec ma pince épilée de récup. J'ai un ciseau pour venir couper les trucs. Et ça, c'est un stylet, de la colle rose qui me reste. Un stylet, de la colle rose qui me restait. Il y a deux bacs de mes anciens DP. Donc voilà. Je vais juste venir mettre ma colle rose dedans. Donc elle colle très bien. Hein. C'est la. Alors là, je suis toujours sur la colle rose du Action qui m'a pris. Ben, je l'ai un peu retournée dans tous les sens. Hein. Qui m'a pris. Elle est là depuis 2 mois. Elle est ouverte. Elle a l'air libre et elle colle. Donc dedans. Dans cette toile, j'avais reçu un stylet, un rack, des sachets. Hein. Ici, je vais ouvrir. Donc j'ai reçu un truc de colle rose, un stylet, j'ai reçu des petits sachets aussi, hein. Il y en a quelques-uns, donc il y en a un, deux, trois, quatre et cinq. Donc il y en a cinq. Ils sont très fragiles. Donc moi j'avais mis du tape de masquage, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on utilise pour en peinture par exemple pour faire des lignes sur une toile. Il est très vieux, hein, c'est pour ça qu'il est un peu abîmé. On utilise ça pour faire des lignes, on utilise ça pour ben par exemple faire un contour d'une toile pour être sûr d'avoir par exemple ici 1 cm de blanc de chaque côté de la toile. Après on retire et ça. Bon, il faut que la peinture soit fraîche si vous utilisez de l'acrylique, bien sûr. Mais voilà, donc ça je laisse de côté. Ben, je vais venir ranger un peu. De toute façon, c'est une vidéo un peu vlog. Mais voilà, si vous voulez que je fasse une petite vidéo comme ça pour à chaque toile, hein, vous n'hésitez pas à me le dire, moi ça me dérange pas, c'est toujours un petit plaisir. Hop, je vais pas ranger le stylet. Voilà, je range le deuxième stylet. Il y a aussi des sachets dans celui-là. Hein. Mais oui, j'ai utilisé des sachets pour ranger mes perles la dernière fois. Avec ce que j'avais et je n'en avais pas assez au final. Donc, je vais mettre ça sur le côté. On reviendra prendre les choses qui sont là et on va regarder que dans l'unboxing, je suis désolée pour vos oreilles, c'est le sachet. Désolée. Donc, ici, je suis avec plusieurs couleurs. Donc, voilà, j'ai retiré toutes mes couleurs. Donc, je mets mes sachets comme ceci. Là, on a les deux. Là, je vois que j'ai des sachets où j'en ai un seul. Donc, voilà. Et donc, je vais commencer à préparer. Du coup, ici, j'ai la couleur 934. Donc, je regarde ici sur mon sachet. Il y a un sachet. Donc, je vais mettre un fait à côté. Et le symbole est un peu illisible. Ça, c'est embêtant. Ouais, ça va être embêtant, ça. Je crois que c'est un 3, mais je ne suis pas sûre. Du coup, je vais le laisser là sur le côté. Ah là là, ça va être embêtant, ça, pour les trucs. Ils auraient peut-être dû. Donc, j'ai dit que c'était la 934. La 934, elle est ici et. Ça a l'air d'être un 3. Ok. Donc, ça a l'air d'être un 3. On va marquer 3 de toute façon. Donc, je viens ici. Je vais juste prendre ma poubelle pour la mettre à côté de moi parce que ça fait des déchets. Donc, vu que je n'ai pas encore acheté de boîte, je ne sais pas vraiment quelle boîte j'ai envie d'acheter. Donc, je viens couper ici. Voilà. Ensuite, je viens avec mon tape de masquage. Je prends une petite bande. Hop, j'arrache. Et. Hop là, voilà, je viens la fermer pour être sûr qu'il n'y ait aucune perle qui s'en aille, hein, parce que bah, ce serait assez embêtant. Et je viens marquer voilà, j'ai marqué la référence de la couleur sur la toile. Donc qu'est-ce qui est marqué? Donc là, c'est un 3. Donc je vais venir faire ça pour toutes les couleurs que j'ai. Donc 938, 938, j'ai un sachet.
C'est bon, et c'est un 5. Un 5 ou un S? Oui, elles sont très mal foutues. Hein, ouais, non, vous verrez pas parce que voilà. Mais là, vous pouvez voir hein, que c'est un T, mais c'est très mal fait. Donc, c'est un 5. Donc, comme pour l'autre, je vais venir couper à l'endroit où il n'y a pas le numéro. Hein, parce que sait-on jamais. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de faire ça pour l'autre. Ah, attendez. Hop. Et du coup, oui, c'était une petite perle ronde. Je ne sais pas en fait encore ce que je préfère. N'hésitez pas vous à me dire hein, si vous préférez les perles rondes ou les perles carrées. Et donc, voilà. Et par exemple, ici, ça dépasse. Donc, je viens avec mon petit ciseau, je coupe. Et donc, le tape de masquage, c'est quelque chose qui ne colle pas. Après, pour celles et ceux qui les utilisent en coloriage, je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça pour le colo, pour protéger les pages d'à côté. Donc, j'ai dit que c'était la 5. Voilà, je vais marquer un 5 et je vais marquer la couleur en fait. Hop, ici, 938. Ici, c'était quoi la couleur? C'était le 3, donc c'était 934. Et cette toile risque d'être assez compliquée à faire, je pense, parce qu'il y a pas mal de couleurs sombres qui se ressemblent. Et donc, ça, c'est un peu compliqué. Donc, ici, c'est 3860. 3860, il y en a. Il y a 62 perles, semblerait. Il y a un sachet et c'est la couleur 4. Donc c'est bon. Donc je vais mettre un V ici. Bien coupé. Et du coup, voilà. On va papoter un petit peu, hein. Et donc, bah, j'ai commencé le DP il n'y a pas très longtemps. Et franchement, c'est une activité qui est très. Ça prend énormément de temps au final. Après, c'est peut-être parce que je suis assez lente. C'est vrai que ben, ma façon de faire ici avec les petits sachets, les refermer, les prendre, etc., ben, ça prend du temps hein, parce que ben, du coup, une fois que j'ai fini avec la couleur, ça c'est un 4. Hop. Je viens fermer les petits sachets et puis après ben, je prends mon doigt et quand j'ouvre, en fait, je viens, j'ouvre comme ceci. Après, je plie un petit peu le truc et hop, je viens comme ça mettre dedans avec mon doigt, avec les perles qui sont collées. Donc là, je regarde un peu sur AliExpress qu'est-ce qu'il y a comme boîte de rangement, parce que j'aimerais bien en avoir une assez chouette qui pourra me servir. 930. 930, c'est la couleur C, il y a un sachet, c'est très bien. Donc là, je regarde. J'en ai vu une qui me paraît sympa, mais je ne sais pas encore. Voilà. Ça, c'est mon plus gros problème, c'est que je ne sais pas encore si c'est quelque chose qui va rester. Donc, est-ce que je vais en faire plein et oh. Bon, là, par exemple, j'ai des perles qui sont barrées. Hop. Donc, je viens, voilà, je l'ai sur mon doigt, hop, je viens la coller comme ça contre le truc, enfin, contre le petit plastique, et je la ferme. Alors, j'ai dit que celle-là, c'était là. 930, 930, c'est le C. Donc je vais marquer le C ici. Mais en fait, elles sont bien, hein, ces petits sachets, mais le problème, c'est qu'à force de les manipuler, le chiffre se retire. Et donc, j'ai. Comment dire? J'ai pas. C'est pour ça que je vais marquer le chiffre, en fait, sur mon petit bout de tape. Du coup, je suis désolée, elle risque de durer assez longtemps. 3810, 3810, elle est ici, il y a deux sachets. Et c'est la lettre, c'est la couleur T. Donc ici, je viens couper au milieu. Hop. Et je prends mon sachet, je remets dans le sachet ici où il y avait toutes les perles. Et voilà. Comme ça, je sais que. Hop, qu'il m'en reste d'autres. Et j'ai vraiment hâte de commencer cette toile. Elle est vraiment chouette, donc je ne sais pas si en live elle aura déjà été commencée ou pas. Parce qu'en l'air de rien, mais vu que je colorie aussi pas mal, hein, vous le savez, la chaîne est remplie de colos pour le moment. J'aimerais bien diversifier un petit peu les activités manuelles. D'ailleurs, le jour où on obtiendra peut-être un peu plus de follow, enfin, d'abonnés sur. Ouais, de follow sur.
Attendez. 3810, 3810, c'est celle-là, c'est la couleur. Pardon. Alors là, j'ai un T, et là, j'ai un T, et là, j'ai un T. Ok, ça va être chouette. Est-ce que ce serait... Non, là, c'est un U, là, c'est un T, et là, c'est... Est-ce que ce serait un R? Alors, je pense que c'est un R. Je vais regarder sur la toile. Alors... 3810, c'est un F. Ok, donc je viens mettre ici. En fait, elle avait été pliée pendant le... Dans le paquet, donc j'ai l'impression que ça l'a un peu endommagé. Heureusement, ici, j'ai les bons chiffres. Donc voilà, je viens, je mets le F. Ici, j'ai deux sachets. Je viens couper le sachet en deux sur les pointillés, bien sûr. D'ailleurs, c'est très drôle. Je sais pas si ça vous arrive, mais j'ai des perles des fois qui restent coincées. Hein. N'hésitez pas à laisser deux, trois commentaires. Donc, le jour où on aura plus de followers sur Twitch, sur YouTube, parce que les partenaires regardent plus YouTube que Twitch, on essaiera de demander un partenariat à un... Là, c'est un A, c'est ça? Je vérifie ici. Oui, c'est un A. Essayez de demander un partenariat. Donc, j'ai bien deux sachets. Je viens prendre mon sachet en trop. Je viens le mettre là-bas. Pour essayer de vous faire gagner justement des toiles. Hein. Ce serait assez sympathique. Parce que, ben oui, moi, enfin, je vous avouerai que malheureusement, ben, j'ai pas les moyens de vous faire gagner des objets pour le moment. On a vu que ben voilà, la chaîne n'est pas monétisée, on n'a pas vraiment de revenus qui pourraient nous aider à vous faire gagner des choses. Après, c'est vrai, on vous fait gagner des fois des choses sur Twitch. Ça nous arrive. Parce que ben, à la base, pour ceux qui me suivent, il y a moi et il y a mon copain qui l'utilisons. Donc il y avait bien deux sachets. Voilà, désolé. J'ai coupé le micro parce qu'il y avait quelqu'un qui fait de la moto dehors. Alors, 7, 9 et 1. 7, 9, 1. 7, 9, 1, c'est ça. Alors, je viens vérifier parce que c'est du coup, c'est la couleur 7991 et c'est un K. Ouais, ça a l'air d'être un K. Donc, il y a bien deux sachets. J'ai peur que... Parce que je l'entends, en fait, qui commence à faire aller sa truc. Du coup, je vais utiliser d'abord le... Désolée pour la coupure, il a mis 3 minutes hein, à s'en aller, cette personne. Et ben, je ne comprends pas en fait pourquoi faire aller son moteur comme ça alors que... Non, c'était un 7, désolée. 7091. Alors que bon, ben, on est en plein centre-ville. Donc il y a quand même, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a des enfants qui vont commencer la sieste, etc. Moi, je serais parent. Je supporterai pas ce genre de choses. Hein. Donc voilà. Du coup, ici, j'ai 4 sachets. C'est la couleur 3766. Donc ici, j'ai bien 4 sachets. C'est très bien.
Et c'est la couleur 7, si je dis pas de bêtises. Je regarde sur la 3766. Oui, c'est bien la couleur 7. Donc, oui, je disais, ce serait chouette qu'on ait un partenaire pour essayer peut-être de vous faire gagner des toiles d'épée une fois de temps en temps. Je sais que ça se fait pas mal, mais je ne sais pas si avec nos 600 et quelques follow pour le moment, on pourra. Donc, n'hésitez pas à partager la chaîne, ce serait vraiment chouette qu'on se fasse une belle communauté. Et du coup, on puisse, enfin, que j'ai la chance de vous faire gagner des choses. Autant les frais de port, je pourrais les payer, ça, il n'y a pas de souci, hein, mais le reste, ce sera un peu compliqué parce que, bah, voilà, un DP, ça coûte quand même assez cher au final, hein, enfin, assez cher. Du coup, j'ai dit que c'était quelle couleur? Merde, 3766, 3766, c'est la 7. Oui, c'est la couleur 7, voilà. Hop. Du coup, je vais juste marquer la couleur, je reviendrai plus tard. Du coup, ici, c'est la 808. Non, c'est la 803. Je pump, tu ne sais plus lire. 803, il y a 7 sachets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. Et du coup, on m'a dit qu'il y avait plus ou moins 200 perles dedans. Donc, c'est plus ou moins probable. Donc. Hop, 803, je viens mettre un V là, j'arrive pas à lire sur la, donc sur la toile, c'est un 2. Ça a l'air en tout cas. Donc je vois pas d'autres 2. Donc 803, un 2. Et donc voilà. On verra avec la progression de la chaîne. Hein. Déjà, avant que je commence le coloriage, c'était. C'était pas mal. Après, je pourrais aussi essayer de voir hein, pour les colos, essayer de contacter certaines entreprises. Je pense à Marabout, par exemple, ça pourrait le faire. Mais bon, voilà, c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. C'est un projet que j'aimerais bien. Après, peut-être qu'avec les revenus de Twitch, si y a moyen, parce que bah, il y a certaines personnes qui s'abonnent sur Twitch grâce à leur Prime, etc. Donc, il y a peut-être moyen qu'un jour, ça c'est la lettre U, il y en a quatre. Donc on verra. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais voilà. Hop, hop là, 966. Et puis après, essayez peut-être d'avoir un code promo pour vous avoir des réductions quand vous achetez les toiles. Mais bon, c'est à voir. On verra de toute façon. Ah, là, j'ai une. Ah, les perles rondes tiennent mieux sur le doigt que les carrés. Je viens de me faire la remarque là. Hop. Hop là. Donc, c'est la lettre U, ça. Et c'est comme ça que je préparais la Zelda. Hein. Mais je ne comptais pas les trucs. Mais là, c'est parce que j'ai vraiment eu un problème avec la toile Zelda. Donc là, je suis un peu plus consciencieuse. 923, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on est bon. Et c'est la lettre 6. C'est la référence 6 sur la toile. Donc je viens, je coupe. Voilà. Donc j'essaie d'utiliser les petits sachets pliés en premier. Hop. J'essaye d'utiliser les petits sachets tout pliés en premier parce que c'est. Au final, c'est les plus embêtants. Hop. Donc, ça, ce sera un 6 blanc. Mais voilà. C'est une frayeur hein, que me fait ce DPS. C'est vraiment parce que c'est toutes des couleurs sombres. Donc, c'est dans les couleurs sombres que j'arrive. Non, toi, tu viens, te tends. J'arrive à bien les mettre après je vous enfin si vous voulez un retour sur cette toile je vous en ferai un voilà c'est 6 je vous en ferai un donc je vais les mettre comme ça ici comme ça vous pouvez voir au fur et à mesure voilà les sachets que je mets désolé pour le bruit donc ici on a deux sachets donc c'est la 824 824 il est ici on a bien deux sachets c'est bien et c'est la référence N.
Donc je viens, je recoupe, hein, on a l'habitude maintenant. Et voilà. Donc par exemple, ici, on voit, j'ai une perle qui est éclatée là, dedans. Donc malheureusement, elle est coupée en... Ah, ouais, non, il y en a une qui est coupée par contre. Non, non, j'ai cru, mais non. Hop, allez, hop. Voilà, je suis désolée hein, pour les bruits, bah oui, avec le DP, c'est du plastique, les petits sachets, ça fait beaucoup de bruit. Donc, hop là, comme ça, on évite de faire tomber des perles dessus. Donc, j'ai dit que c'était la référence N. Hein. Donc voilà, je viens ici. Et donc, cette feuille-là, elles sont bien pratiques. Malheureusement, par exemple, sur celles que j'ai achetées sur le marché, il n'y en a pas. Il n'y a pas de feuille de référence comme ça, donc ce sera complètement à l'aveugle. Après, ce sera la dernière... Enfin, c'est... Alors, il y a 3765, c'est possible? Non. Du coup, 765, 765... Si, si, 3765. Malheureusement, il y a combien de sachets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est très bien. Donc là, c'est un T, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est un T. Par contre, ici, j'ai hésité parce qu'il y a le 3 et à moitié imprimé. Donc je vais utiliser celui-là, c'est le plus endommagé de tous. D'ailleurs, je me demande pourquoi on arrive avec des petits sachets comme ça pliés. Mais comme je l'ai, je ne sais pas si je l'ai dit dans ma dernière vidéo d'épée, je pense que j'achèterai plus de diamond painting sur des sites chinois tels que Zoom, Wish, AliExpress. Après, je dis ça, mais voilà, hein, peut-être que j'aurai la confiance en parlant avec des personnes qui font du diamond painting, justement, qui me diront « Ah ouais, mais moi j'ai commandé sur AliExpress cette toile-là, elle est magnifique, elle est super bien faite et tout. » Donc on fera peut-être des tests, hein. Mais là, en ce moment, je me sens pas, donc c'est un T. Je me sens pas de recommander en fait sur un site chinois parce que je suis complètement dégoûtée du fait que je n'ai pas eu assez de perles. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, j'arrête d'en parler. Ah, là on a 8 sachets. 3841, 8 sachets, c'est très bien. Et c'est un Y. Voilà, j'en ai parlé sur la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et à me donner votre ressenti, hein, vous, est-ce que ça vous était déjà arrivé d'avoir des perles en moins? Qu'est-ce que vous avez fait pour pallier à ça? Est-ce que ma technique était bien? C'était un petit peu le système D, mais j'ai fait comme je pouvais. Voilà. Oui, je sais. Voilà. Hop. Et du coup, bah tiens, j'ai une question. Qu'est-ce que vous faites des... Parce que je me suis fait la réflexion. C'est un 7, hein, oui. C'est un 7. Je m'étais fait la réflexion. Qu'est-ce que vous faites de vos... Non, j'ai déjà mis 7. C'était 3840. C'est un Y. Voilà, j'allais me tromper. Qu'est-ce que vous faites des diamond paintings que vous aimez, enfin, bah, vous l'avez fait, vous l'avez mis à votre mur, mais maintenant vous n'arrivez plus à le supporter. Oui, il y a bien 5 sachets. Vous le trouvez moche, etc. Donc est-ce que vous l'offrez à quelqu'un pour... Voilà, hein, c'est possible hein, que vous fassiez un diamond painting et que vous l'offriez à quelqu'un par la suite. Ou est-ce que vous le rangez par exemple au grenier et vous le ressortez plus tard? C'est des questions que je me posais. Ou peut-être que vous les revendiez, même si je pense pas que... Enfin, je sais pas si ça intéresse les gens, en fait, de racheter des diamond paintings faits pour décorer leur maison. Ça peut être possible. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je me posais la question, donc... Donc voilà, voilà. Du coup, ça, c'est là... Non, c'est pas 7, c'est X. Je me trompe, j'ai été déconcentrée. X, voilà.
Du coup, X, il y en avait bien 5. C'était la couleur 208. Donc là, il ne reste plus beaucoup de couleurs. On le voit, là, j'ai 518, 518, deux sachets, et c'est la référence H. Donc je vais prendre la plus mauvaise, enfin celle en plus mauvais état, parce qu'elles sont toutes les deux un peu pliées. Donc voilà, les descendez. Ah, j'avoue que ceux-là sont plus remplis que les diamants carrés. Ils sont vachement plus remplis que les diamants carrés. Donc là, j'ai mon petit bout de scotch, enfin de plastique qui s'est défait. Donc voilà. Hop. Mais du coup, une fois que j'aurai la boîte, je pense que ma prochaine toile, de toute façon, ce sera la Sailor Moon 518. 518, c'est H. Oui. Donc voilà. Ah, mais on a celui-là qui est. C'est 500. 500, il y a un sachet, c'est très bien. Par contre, il n'y a que 17. De ce que je comprends, il y a 17 perles qui va être utilisée dans le DP. Donc, c'est un vert très, très, très foncé. Ouais, là, je vais aller de ce côté-là. C'est un vert très foncé. Donc, je ne savais même pas que j'aurais besoin de vert foncé. Et je remarque. Que j'ai pas de la couleur 310 qui est la couleur noire normalement. J'ai mis un peu de trop ici. Qui est la couleur noire, j'aurais cru que j'en aurais sur celui-ci. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que Tsukim est très haut. Donc je pense que l'image de référence au final, ce ne sera pas la même chose. Du coup, ici, 500, c'est là. C'est la lettre, on ne sait pas. 500, c'est la lettre 9. Le chiffre 9, désolé. Hop, 9, c'est très bien. Et du coup, 500, j'ai déjà mis un V. Donc là, il nous reste plus que deux couleurs. Et oui, donc il nous reste ces deux couleurs-là. Là, c'est le 1, 451. Hop, et hop là. Je viens couper. Et mettre ça. Et du coup, j'aime bien ces petites vidéos papotes. Après, je pense que j'aurai plus de choses à dire une fois qu'il y aura des commentaires un peu sur les vidéos, parce que c'est vrai que c'est un peu désert en ce moment. Hein. De là, je m'en plains pas. Une fois que j'aurai des commentaires, j'aurai un peu plus de quoi parler pendant ces vidéos blabla vlog. Et du coup, ben on verra. Hein. Après, je pourrais aussi les faire en live, par exemple. Les faire en live et du coup, vous remettre la relive de ce qu'on aura parlé. Ça, il faudrait un petit peu que vous me disiez hein, si vous préfériez. Non. Si, 451, oui, c'est bon. Du coup, je vais la mettre ici. Voilà. Et du coup, ben, la dernière couleur qui nous reste, il y a 10 sachets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, c'est là nos couleurs 939. Donc, je viens choisir ici le. Voilà, venir découper un petit sachet. Et hop. Et du coup, une fois qu'un sachet est fini, je viens dans ceci. Hein. Je viens reprendre dans cette pochette-là qui reste tout le temps sur mon bureau. Même si je ne fais pas du DP tout le temps, elle reste sur mon bureau. Donc voilà. Et hop là, je coupe. Et chaque fois que j'ai fini un sachet, donc ça, sur celle-là, je sais pas. En tout cas, sur la Zelda, ça arrivait souvent que je faisais un carré. Ça me le. Je devais changer de sachet, justement. Donc ça, c'est la lettre E. Et donc voilà. J'ai fini là de préparer. Donc après, cette page-là, je viens, je la mets là. Je monte, je le range ici. Enfin, voilà, je vous montre un peu mon rangement. Je viens mettre cette pochette ici. Hop, et ça, là. Voilà. Et du coup, je prends mon bic, je le mets là parce que j'en aurai encore besoin pour après venir chercher mes petits sachets. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je suis désolée si elle a, enfin, si vous pensez qu'elle a aucun intérêt, mettez-moi un petit pouce vers le bas en mode on s'en fout en fait hein, de ton truc. Et donc après ici j'ai juste à venir retirer. Ça dépend en fait le temps que j'ai. Si je veux juste commencer pour vous. Là je vais du coup je vais faire pas en vidéo, hein, mais voilà, je ferai le petit carré ici.
Et une fois que j'aurai vu le temps que ça m'a pris, ben, peut-être que je retirerai les deux carrés ici. Donc ça fait cette taille-ci, plus ou moins. Voilà. Et peut-être que ça, en une demi-heure, je l'ai fait. Hein. Ça dépend. Là, j'ai fait les carrés, ça m'a pris énormément de temps, les carrés. Donc je ne sais pas si les ronds, ce sera la même chose. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous en live demain pour commencer la toile ou la continuer. Mais je pense qu'on la commencera jeudi prochain. Enfin, jeudi. Donc demain. Et je vous dis des bisous et à bientôt. Sinon, bye bye!